Nous devons apprendre le vin dans la soirée, gagner militaire, bon, petit militaire, monde qui ont été kembe avec ZAM, non, oui, pas avec oui, des miracles, qui étaient nommé des CPJ. Nous apprenons par voie de presse que le ministre de justice là, il transfère vers les États-Unis d'Amérique. Et il y a un grand haïtien qui parmi 8 mounio, il y a un grand haïtien ça en temps garde à vue juste au moment m'a parlé avec nous. Il y a parlé avec haïtien parce que dit haïtien c'est si déporté, il pas qu'à monter avion américain pour aller avec aux États-Unis. Par conséquent, il a quitté le garde à vue. Le 21 soir de la soirée même noté qui est un écrit à président Cantave, pour nous dire président Cantave, nous demandons pour le gagner CSPN le 21, soit un jour après. Le premier ministre a été écrit pour le demander, un report, il dit nous permettre que nous tendions la date ultérieure. Il a noté fixé, si on se travaille aujourd'hui, lundi 25 février. Malheureusement, encore une fois, nous recevons une lettre de Premier ministre qui dit nous gagnons lancement aujourd'hui du comité interhaïtien pour question de dialogue national et qu'un pile ministre appela, un pile président de commission en parlement appela, lui demande pour nous reporter encore une fois séance de travail. Ça. Jean-Ouen là, nous étions en discussion avec quelques membres de la commission tout à l'heure pour nous dire comment nous sommes capables de fixer le plus rapide dans ce travail-là. Et bureau Sénat, avec l'autre membre de la commission, nous entendons pour d'ici demain matin, séance ça est capable de faire parce que le pays a besoin de gagner lumière sous procédure qui est appliquée dans le domaine ça pour nous connaître est-ce que le ministre a agi sous le couvert de la loi. Lorsque nous connaissons, nous entendons, Premier ministre qui est chef CSPN nous dit, dit pas qu'on n'a rien dans ce qui passe là, et nous sommes étonnés pour nous entendre, président de la République là, par voix, il y a un conseiller qui dit qu'on n'a pas qu'on ça qui passe là. Comme moi, j'ai dit la semaine dernière, dans le moment où le pays a été le clan, nous avons dit que le pays a censé paraître un pays qui n'est pas gouverné, qui n'est pas présidé, nous avons besoin d'officialiser constamment. Même dans le gouvernement, même dans le CSPN, non, ça qui décide là-dedans. Non, il n'y avait pas eu une rencontre avec le CSPN. Tu as eu une séance de travail jeudi après-midi, et à l'issue de la séance de travail, ça, nous t'échitons tête à tête avec le Premier ministre, non, puisque tu as un tweet qui est sorti, côté Pascal Adrien, dit c'est le Premier ministre là, avec le Parlement que nous avons les mercenaires, entre guillemets, yo. Yo, des ciblés, nous-mêmes nous avons besoin de gagner des informations de première main. Mais il faut qu'on dise où ça passe là, tout le monde gagne compréhension au délit. Tout le monde gagne compréhension au délit lorsque vous avez gagné des armes. Moi-même, je suis entré ici en 2015, mais lui, prêté serment en 2016. Moi, je suis entré ici avec un texte de loi, une proposition de loi. Qui a 64 articles déposés en 2016. Depuis le mois de juillet 2018, nous commençons à voter, nous avons voté son texte de loi sur la circulation des armes à feu en Haïti. Je dis à vous, dit, nous avons un mot maintenant qui montre des hommes armés qui sont des étrangers. Mais nous-mêmes, comme journalistes, nous avons nous compte dans l'espace parlement là combien de centaines d'armes illégales qui ont circulé. Sénateur Jean-Renel parle. M'dis ou, moi te getan qu'on est thermomètre là, m'te ou thermomètre là, que ça a pas de problème dans le pays, et ça fait pas étonné lorsque yon dit m'gen homme armé qui t'a défilé dans la manifestation. Parce que m'te getan qu'on est, statistique que te dit gen plus de 300 000 armes à feu. Cap circulant dans le pays et ça daté avant 2015. Dans le Parlement, là, qu'est-ce qui vous dit les illégal ça? Officiel, yo. Mais on connaît tout comme journaliste. On connaît. Non, écoutez. Officiel, c'est un député. On parle. Nous tous connaissons qui est ce monde qui a des armes illégales dans le pays.
Maintenant, nous jouons 7 blancs qui gagnent des armes illégales. Nous sommes oui, parce que c'est blanc. Comme si nous, même haïtiens, nous avons des armes illégales, nous, mais blancs n'ont pas de droit des armes illégales. Moi-même, moi, je dis que c'est très grave lorsque nous avons des étrangers qui ont filé pour l'aéroport, nous avons pour des armes dans le pays, nous n'avons pas de contrôle. La police n'a pas de contrôle. Le CSPN dit qu'il n'y a pas de contrôle. Le président de la République l'a dit qu'il n'y a pas de contrôle. Même dit ça plus grave. C'est plus grave parce que je dis, à la question de chaque grand sénateur et député, ou après un grand sénateur manche longue dans le pays. Faut que nous, non, des bouquins de manche longue, c'est illégal. À moins que ces policiers qui ont été. Mais des bouquins de illégal. À la question de chaque grand ministre, secrétaire d'État, directeur général, ou du moins. Et ça, mon yon le délégué départemental en de pays, ou après tout des gros armes illégales. Non mais, après yon fonction, à la question des députés qui étaient là déjà, à des armes illégales, sénateurs qui étaient là déjà, à des armes illégales, quand des armes ça yon a dit, des armes ça yon a l'homme bandit assez souvent, qui a terrorisé la population. Donc, même pas un homme d'État, il faut que nous adressions les problèmes sans tête, sans folie. Nous disons, nous avons des armes illégales, non mais nous, on légalise les armes yon. Pour au moins là, on a tué un monde pour qu'on qui a tué un monde. Les gens prennent la manifestation, il y a des gens qui ont la tête. En exemple, l'opposition a dit, le 19 novembre, il y a 11 personnes qui prennent balle dans la tête. Je dis à la parole des mercenaires, il faut que nous questionnions ça. Est-ce que l'opposition a menti lorsque nous sommes sous Bel Air, il a fait enterrement et nous avons en pile cercueil, ma consulté 11, même dire en pile cercueil, est-ce que c'est menti ou tabay? Faut questionner ça en homme d'État. Maintenant, le président de la République, il est le garant de l'intégrité du territoire national. Le gouvernement, dont chef li, c'est chef CSPN, non, il est là pour protéger vie et bien tout citoyen. Moi, je pense que pour ça, fait, non seulement nous faisons constat, faut que les sanctions qui prennent, mais nous-mêmes, tout comme parlementaires, il faut que nous disions que nous avons une responsabilité pour nous prendre de nouvelles lois qui permettent petit à petit, petit de nous, pas exposer au forfait de voyous en un pays qui a pour des armes illégales. Ça, c'est ce que nous avons pour nous avec le transfert ou l'extradition de citoyens étrangers de l'autre côté, puisque CSPN, là, nous avons réglé la question expressément de sécurité. Mabdou, je dis que l'armée n'est pas opérationnelle. Ça veut dire que c'est la police là qui nous gagne dans l'aéroport, c'est la police qui gagne dans le port. Le CSPN, c'est l'organe stratégique et politique de la police nationale. Depuis ces questions, c'est ça que fait le là-dedans, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, on est capable de rentrer pour l'étranger, mais on voit qui date de rentrer en Haïti. Parce que j'ai une information qui dit qu'il y a plus qu'un mois déjà. On veut dire où il doit aller. Maintenant, on ne voulait pas parler d'extradition. Parce que la loi 1904, là, août 1904, sous extradition, procédure ça pas là. Maintenant, on dit Vinbran. Moi, je pense que si on a assez souvent tout, il y a des autres âmes. Il y a des âmes l'État, et on a des âmes si on a des bagages pour régler, pour régler, parce que on ne voulait pas inspection générale pour ce lieu. C'est tout problème ça pour mettre sous table là pour nous chita, pour nous adresser, pour lorsque nous avons une manifestation dans le pays, pour ne pas assurer que c'est une manifestation armée que liée, mais c'est un citoyen qui est légitime, qui a demandé, qui a réclamé des droits légitimes que vous avez. Sénateur, n'est-ce pas vous correct? Non, parce que haïtiens, nous connaissons pas ta vraie offrite comme facilitateur. Cependant, vous avez trouvé un monde qui est démissionné, ou un monde qui a remplacé un monde qui est démissionné. Selon ta remède, que ça nous a fait, son bagage qui est sincère, qui visait le bien et le bien-être de notre nation. Parce que je dis à monsieur, moi-même, moi, sénateur, je suis très laide, le marché là, oui, je suis très laide de me voyager. Ou même, vous êtes journaliste, ou très laide, tout lorsque vous êtes haïtien ou qu'on passeport haïtien. C'est conscience, ça, pour nous prendre, pour nous garder comment, au moins, nous sommes capables d'orienter. Sénateur, comment?